de travailler aussi avec les bailleurs pour, parce que vous savez comment ça se passe. Comment ça se passe, c'est que parfois il suffit d'une famille qui pourrit la tranquillité d'une résidence entière. Donc là, faut arrêter que ça prenne, que le processus prenne des années, des années, des années pour expulser une famille. Il faut que ce soit beaucoup plus efficace. Et par peur, les élus n'osent pas porter plainte. Et ça, qui plutôt que de s'occuper des vrais problèmes de fond, passent leur temps à savoir s'il faut de la viande ou pas dans les cantines, si le Tour de France doit passer ou pas, s'il faut un sapin à Noël. Moi, j'ai envie de dire à ces élus-là de ne pas se tromper de combat. Et vraiment, le combat principal, c'est celui de protéger la population, la majorité silencieuse et surtout les honnêtes citoyens qui en ont plus que marre. Et à travers eux également aussi, nous, élus locaux, car comme vous l'avez dit...